Ouais, faut quand même se dire une chose, hein, c'est qu'on aura bien cassé la boîte à Benko à la coalition. Ah, c'est clair, moi tout seul, j'en ai tué au moins 8000. Ouais, mytho, il a fallu s'inscrire à 5 batailles d'affilée pour pouvoir reconquérir la plaine d'Armorin. L'essentiel, c'est quand même qu'on y soit arrivé. Maintenant, on a juste à rester dans le sillage de la guilde de justice jusqu'à ce qu'ils nous mènent à la faille des arcs. Mais qu'est-ce qui te dit qu'ils vont dans cette direction? J'ai consulté leur calendrier. Aujourd'hui, ils s'attaquent au dernier boss de la nouvelle instance située juste au-dessus de la faille. La source du néant, c'est aujourd'hui qu'il la tombe? Ah, bah, de toute façon, ils ont pas le choix. Demain, c'est réinitialisé. Pourquoi tu tires cette tronche vers Amoul? Bah, je suis super triste. Je vais devoir bientôt me séparer de mon bâton. Mais tu sais très bien qu'on n'a pas le choix. Tu te souviens de ce qui s'est passé quand j'étais absent? Les maîtres du jeu ont supprimé ton avatar et celui de Gaïa à cause de lui. Je pense que je peux même plus mettre mon plan en exécution. Si je le vole et que je le vends à l'hôtel des ventes, mon accord avec les MJ sera caduc et je perdrai définitivement mon personnage. Qu'est-ce que tu marmonnes, toi, encore? T'es en train de comploter, c'est ça? Hein? Moi? Mais pas du tout. Hé, regardez là-bas! Oh non, Samaras! Ouais, ça va friter! Chouette, j'adore les frites, moi! Bon, suivez-moi, on va s'approcher un petit peu. Bon bah, moi, je vous couvre, hein. Alors, prêt à être rétrogradé à la deuxième place du classement des guildes? Parlez pour vous. D'ici la fin de la journée, on sera les premiers et les seuls à avoir nettoyé la nouvelle instance. Il ne nous reste que la source du néant à vaincre, alors que vous n'en êtes qu'à Morkhen. C'est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous laisser passer. Oh non, la guilde Roxanne veut les empêcher d'accéder à la dernière instance. Quoi? Mais pourquoi? Bah parce que c'est les méchants. La première de ces deux guildes qui tombera la source du néant sera au sommet. Ah d'accord, j'ai compris. Comme demain les instances sont remises à zéro, ils veulent à tout prix retarder l'échéance pour les obliger à recommencer. Exactement. Comme ça, la guilde Roxor annulera son retard et conservera ses chances de finir la nouvelle instance avant la guilde de justice et de leur ravir la première place. Bon, il est temps de mettre mon plan à exécution. Il faut que j'utilise le bâton cheaté pour mettre Amaras hors jeu. Comme ça, la guilde de justice aura la voie libre. Ils seront tellement reconnaissants qu'ils me recruteront et me rocheront jusqu'au niveau 100. Toi! Donne-moi ça! Mais mon bâton! Oh, mais Gazelle, mais qu'est-ce que tu fous? Amaras! Laisse la guilde de justice passer! Il est où, fantôme? J'espère qu'il a juste été déconnecté. Il est plus sur le canal vocal. Je lui envoie un mail immédiatement. Rends-le-moi, mes gazelles! T'es vraiment qu'un voleur! Mais moi aussi, pourquoi il en a plusieurs sorts à la fois, là? Parce qu'il est cheaté, espèce d'imbécile! Il est dangereux et imprévisible! Pourquoi tu crois qu'on s'évertue à essayer de le détruire? Fantôme m'a dit que son personnage avait été effacé. Quoi? Intéressant. Semblerait que ce noob nous ait déroulé le tapis rouge jusqu'à la tête du classement. Sans Fantôme, vous êtes bloqué. On n'a plus qu'à finir tranquillement la dernière instance. Fantôme me dit que les maîtres du jeu sont en train de réparer le bug. Bon... Il semblerait que la situation se soit inversée. À présent, c'est nous qui allons nous barrer la route. Écoutez-moi, faut pas qu'on reste ici. Courons jusqu'à la faille. Oh, mais Gazelle, dépêche-toi. Gaïa, mais où est-ce qu'elle est passée? Oh, tant pis, aucune réactivité. Sparadra, suis-moi vite. Ouais, je suis chef de groupe. On passe en mode duel, ça va saigner. Mais je peux entrer en mode duel, moi! Hé, hey, c'est à cause de toi qu'on en est là, alors debout, hein! J'ai tué Fantôme, je suis un misérable! C'est un autre bouclier humain, fais diversion, je sais pas, rends-toi utile! Quoi? La guilde de justice me demande de me battre à ses côtés? Non, mieux, elle me demande carrément de remplacer Fantôme. Je ne dois pas les décevoir. Zut! Bon bah, c'est un mal pour un bien. Au moins, ils viendront pas moins de choter ici. Ah non, mais qu'est-ce que je fais là? Oh non! T'inquiète pas, Agaga! J'ai plein de pierres de résurrection! Non, non, mais non! Non, 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 surtout pas! Surtout pas! Enfin, tranquille. C'est bon, on laisse mais. Bon, avec tout ça, j'ai utilisé tous mes points d'endurance, moi. Je peux plus courir, on va faire une pause. Hé, hey, Arthéon! Mais c'est trop cool! Il y a des familiers partout! Non! Non, c'est pas cool du tout ici! Et c'est pas des familiers! C'est des ennemis, Sparadra! Des ennemis! Alors t'arrêtes de courir après comme un débile! Ah bon?
Pourtant, le gros osio là-bas, il était trop mignon, hein. Quoi? Le frappe atroce? Mais c'est un piaf avec des dents pointues et des ailes coupantes comme des lames de rasoir. Ah bon? Bah, j'ai pas trop fait attention, hein, mais... Arthéon, c'est quoi cette fumée noire là-bas? C'est la faille des Arcs. On y est! Tiens! Tiens, prends ça dans ta tête, ta merde! Bon, ça commence à bien faire. Ce combat m'a coûté une fortune en réparation. Oh, Amaras, tu vas voir. Ça fait super peur, Arthéon! Voilà ce qu'on va faire. Tu vas te jeter dans la faille pour recevoir une pénalité qui va détruire de façon aléatoire une pièce de ton équipement. Et tu vas recommencer ainsi de suite jusqu'à ce que ton bâton n'existe plus. J'ai une solution encore plus simple. Vous me donnez le bâton titré. Oh non, c'est H le farmer chinois. J'aimerais te le donner. Ça ferait plaisir à Arthéon. Mais le problème, c'est que quand je veux m'en séparer, il réapparaît automatiquement dans mon inventaire. Mais lui réponds pas. Saute vite dans la faille avant qu'il t'attaque. Faut surtout pas que le bâton soit dupliqué. Je vais pas te tuer tout de suite. Je vais juste t'affaiblir un peu et puis je prendrai ton bâton. Tiens bon, Sparadrap! J'ai lancé une roquette MJ. Je vais vous empêcher de détruire ce bâton jusqu'à ce que Judge Dead arrive et qu'il vous prenne la main dans le sac. Il vous bannira enfin d'Horizon 1.1. Maître Zen, ordure! Tu avais tout prévu! Eh ben en fait non, pas du tout. Non, j'étais juste planqué là-bas, là, je vous espionnais avec Sparadrap et puis bon, il m'est venu cette idée. Allez, amène-toi. Meurs! Déconnecté, Kevin. Mais t'es trop énervant, Thomas, d'abord, là. C'est super grave ce qui se passe en ce moment. Avec Arthéon, on essaie de... Détruire le bâton cheaté, je sais. Ces objets provoquent des catastrophes dans toutes les guildes du jeu. C'est désagréable. Je t'aide à t'en débarrasser. Fini de jouer. Voilà. Laisse-moi passer, H. Je ne le répéterai pas deux fois. J'ai peut-être pas de stuff, mais je suis niveau 100. Je pose des conditions. Tu oublies une chose. Ah ? Laquelle ? J'ai un bâton cheaté. Et je sais m'en servir. Luminous, Devastatus.
Forsus Massacrus. Dommage, ça n'a pas marché. Jette un coup d'œil à mes stats. Quoi ? Accepte ta défaite ! Tu n'as plus de point de mana ! Jamais ! J'esquiverai toutes tes attaques jusqu'à ce que tu t'endormes devant ton ordinateur. Ensuite, je vais te tuer dans le jeu. Et si jamais j'y arrive pas, je viendrai chez toi et je te buterai. Mais t'es un grand malade, hein ! Faut vraiment que tu te fasses soigner ! Quoi ? Fantôme ? Ce n'est pas encore fini. Ah zut, Fantôme et Arras vont utiliser leur furie. Je vais avoir besoin de mes deux mains pour soigner tout le monde. Kevin, récupère ton avatar et saute dans la faille des Arcs. Ok. C'est maintenant ou jamais ? Oh, tout est fini. Le hall, le bâton est encore là. Bon bah il faut que j'y retourne alors. Quel gâchis. T'as raison, il aurait au moins pu enlever son stuff avant de sauter. Vous avez sollicité l'intervention de maître du jeu. Je vous écoute. Juste attends avant qu'il nous voit. Déconnexion. Hé hey, salut Judge Dead. Vous tombez super bien, vous êtes. On avait un problème avec le bâton. Il est cheaté. J'essaie de m'en débarrasser en sortant dans la fête des orques. Mais il revient toujours. Je vois. Encore cette histoire d'objet cheaté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout raconté. Oh, on est foutu. Joueur Sparadrap, notre service technique va réquisitionner votre bâton. Quoi, c'est tout? Ils ont utilisé un objet cheaté, vous les bannissez pas? Nous nous sommes rendus compte qu'un virus répandu par Ted Shirok le hacker avait contaminé plusieurs centaines de milliers de comptes. Il ne s'agit pas là d'une tentative de fraude délibérée. Le créateur du jeu estime que les joueurs sont victimes et non coupables. Aucune sanction n'est reprise. Ah, mon grand regret. J'y crois pas. On est sauvés. C'est pas encore fini. Puisque les maîtres du jeu refusent de prendre leurs responsabilités, je vais détruire vos avatars moi-même. Joueur Maître Zen, en vous emparant délibérément d'un objet cheaté pour utiliser ses pouvoirs à votre profit, vous avez violé la charte. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot avant que la sentence ne soit rendue? J'entends bien. Voici donc le jugement implacable que la justice divine d'Horizon Point réserve aux nuisibles tels que vous. Je vais effacer chacun de vos items lentement. Videz vos réserves de crédit. Annulez vos points d'expérience et de réputation. Je vais effacer votre historique ligne par ligne. Je vais broyer votre misérable avatar. Pixel par pixel. Vous attendez? Vous allez prendre pour les milliers de comptes piratés que je ne peux pas châtier. Non. 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 Tout ça c'est de ta faute, Arthéon. Ils ont supprimé mon perso. T'es allé trop loin.
Je vais te retrouver chez toi, je vais faire en sorte que tu te connectes. Plus jamais. Que les témoins prennent acte. Pauvre maître Zen. Qu'est-ce qu'il a encore, ce petit malheur? À ce train-là, j'arriverai jamais à les rejoindre à temps. Oh non, je vais plus pouvoir jouer. Va falloir que j'ai un nouvel ordi. Oh, mais peut-être que je pourrais faire un procès au fabricant. Et Omega Zell. Les amis, la guilde de justice a repoussé la guilde de Roxor. Ils sont entrés dans la nouvelle instance. Zell, on a réussi. On a détruit le bâton de cheaté. Ah, GG à vous, franchement, Sparadrap, tu es vraiment très élégant. GG pour le stuff. Merci. Salut les amis, regardez ce que j'ai reçu dans mon inventaire. Le bâton. Oh non, oh non, mais ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien. Oh non, oh non. Ah, je le savais, Sparadrap, ce bâton est un don. Ça pouvait pas finir comme ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, ce fameux bâton? Toute l'équipe d'Horizon 1.1 et Terrace vous restituer votre équipement. Les bugs ont été corrigés. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Vous souhaitons un bon jeu, blablabla, cordialement. Charles-Antoine Donteuil, le créateur. Ton bâton maintenant il sert plus à rien, hein? Comme toi. Allez, ciao. Mais c'est trop cool, mon bâton. Et vous tous, vous voulez pas rentrer dans ma guilde? Vous allez voir, on est tous méga forts en The Dead. Défoncer ta connexion internet, tu pourras plus te connecter. Et à chaque fois que tu la feras réparer, je la redéfoncerai. Voilà combien j'en mets là. Le rouge, le noir, le blanc. Le rouge, le noir, le blanc. Le rouge, le noir. Allez,